Bonjour à tous. Sur le site Aromandiz. Donc oui, vous pouvez commander sur le site. Alors non, il n'y a pas de code promo. J'ai demandé, on n'a pas de code promo, tout ça. Donc moi, ce que j'ai acheté deux. Alors attendez, j'ai acheté quoi déjà? Paiement accepté, confirmation. Qu'est-ce que j'ai acheté? Un truc de matcha. Matcha coco. J'ai acheté du matcha coco. J'ai payé 14,80 €. Livraison 3,90 €. Du matcha coco. Donc là, sur le site, vous avez, voilà, vous avez aussi des coffrets. Là, coffret, mon rituel, soja, bougie et tresse. 34,90 €. Vous avez du thé et tisane. Vous pouvez faire du thé aussi, du thé froid, thé glacé. Voilà, vous avez de tout. Du thé et tisane bio, de l'épicerie bio, sucré, salé, ce que vous voulez, petit déjeuner, goûter, voilà. Vous avez tout ce qui est encens. Vous avez de l'encens. Voilà. Donc moi je me sers beaucoup de la sauge blanche. Le Palo Santo, il est très très bien aussi. Voilà. Tout. Après, vous avez le soin du corps et éco-produits. Voilà, vous avez plusieurs choses. Après, vous avez les marques. Bon, ben après, vous allez voir, hein, ils vous mettent des marques là. Tout, voilà, vous avez coffret mon rituel protecteur. Vous avez la sauge blanche. Vous avez d'autres choses, hein, bien sûr. Tresse de la sauge sang de dragon. Alors non, c'est pas du sang de dragon, hein. Ça s'appelle, voilà, sauge sang dragon, mais c'est pas du sang de dragon. Bien entendu, hein, on n'a pas été tué un dragon pour faire ça. Donc là, la sauge, elle est plus petite. La sauge blanche, elle est super pour tout nettoyer. Là, vous avez le salopanto. Le Palo Santo, pardon. Je vais y arriver. Bon, vous allez voir, écoutez, vous allez voir directement sur le site Aromandiz. Alors oui, je tiens à préciser que parce qu'il y a des gens ici qui ne connaissent pas les odeurs de l'encens, tout ça, de la sauge blanche, tout ça, ils ne connaissent pas. Ici, nous avons une nouvelle personne qui est venue, une spécialiste. Vous savez qu'il y a, nous avons des spécialistes, ostéopathes, etc., etc. Dans mon immeuble, je parlais, au rez-de-chaussée. Et il y a des spécialistes. Donc, elle nettoie son cabinet avec de la sauge blanche ou de l'encens. Souvent, je sens l'odeur de l'encens. Pourquoi? Parce que elle ouvre la porte de son cabinet et donc l'odeur sort de la porte de son cabinet et va dans tout le couloir. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a des gens qui sentent une drôle d'odeur, ils ne savent pas d'où ça vient, ils ne savent pas ce que c'est. La dernière fois, j'ai entendu dire ma voisine, elle parlait avec quelqu'un, elle parlait avec quelqu'un, et je l'ai entendue parce que justement, elle allait rentrer chez elle, et avant de rentrer chez elle, elle parlait à l'autre personne, et je l'ai entendue, ben oui, elle parle derrière ma porte, j'ai plus rien moi, elle est dans le couloir derrière ma porte et celle de mon voisin d'en face. Et elle disait, oh, mais ça sent le cramer, il y a quelqu'un qui fait cramer quelque chose. Donc elle pensait que c'était de la nourriture qui était en train de cramer, qui faisait cramer ou qui a été cramée, tu sais, une nourriture qui a été cramée. Alors moi je disais rien, mais je rigolais toute seule. J'ai pas osé sortir de chez moi, lui dire, non madame, vous connaissez pas, mais c'est de l'encens. Ce que vous sentez, c'est de l'encens. Oui, ça sent très fort, oui. Je voulais lui dire. Lui dire d'aller voir sur Internet, justement,
Qu'est-ce que c'est que l'encens, la sauge blanche, toutes ces odeurs, savoir un petit peu à apprendre qu'est-ce que c'est. Parce que quand on ne connaît pas, moi non plus, moi je suis pas née avec, je suis pas née avec la science infuse, hein, comme on dit. J'ai appris dans ma vie. Hein. Voilà, quand quelqu'un fume de la beuh, je reconnais l'odeur. Pourquoi? Ben parce que j'ai connu des gens qui fumaient de l'herbe, qui fumaient de la beuh, qui se roulaient des joints. Malheureusement, c'est comme ça, c'est la vie. Moi non, je ne fume pas. Mais l'odeur, tu reconnais. Tu reconnais l'odeur. Tu vois ce que je veux te dire? Quelqu'un qui va faire un couscous chez lui, t'as l'odeur du couscous, par exemple. T'as l'odeur du couscous qui va dans l'immeuble. Tu vas sentir l'odeur du couscous. Tu vas le sentir. Tu dis, ah, tiens, quelqu'un fait du couscous. Ou d'autres, tu vas sentir une odeur. Tu vas dire, ah, tiens, quelqu'un fait des crêpes. Vous voyez, les odeurs s'imprègnent dans notre cerveau et nous savons les reconnaître. Mais par contre, les gens qui ne connaissent pas l'encens, la sauge blanche, ils ne peuvent pas les reconnaître parce qu'ils ne connaissent, ils n'ont pas connu, ils n'ont jamais senti ça, ils n'ont jamais vu. Donc, ils ne peuvent pas mettre une image sur une odeur. Donc, ils pensent que quelqu'un a fait cramer quelque chose chez lui. Alors, moi, je rigolais toute seule chez moi. Hein. Je rigolais toute seule. Je me disais, bon, est-ce que je vais lui expliquer ou pas? Est-ce que je lui explique qu'on a une spécialiste là qui purifie, qui nettoie son cabinet et qui, des fois, ouvre la porte, bien sûr, de son cabinet et laisse entre le passage de deux clients, hein, deux ou trois clients, bien entendu. Je me disais, est-ce que je lui dis ou pas? Bon, finalement, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Je me suis dit, bon, du moment qu'elle n'est pas venue m'embêter chez moi en train de me dire, hein, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi cette odeur? Et ça pue, ça sent mauvais. Oh, parce que des fois, elle est. Pouh! Non, elle ne me l'a jamais dit encore. Elle n'est pas venue me le dire. Parce que le jour où elle va venir me le dire, elle va savoir comment je m'appelle. Parce que je vais le lui dire, moi. Ben, il faudrait peut-être se cultiver un petit peu. Hein? Alors, vous allez sur Internet. Vous allez sur Internet et puis voilà, vous cherchez encens ou sauge blanche. Et puis, voilà, achetez un petit peu d'encens. Vous en mettez chez vous et puis vous allez sentir les odeurs. Comme ça, après, vous reconnaîtrez que non, je ne suis pas en train de faire cramer un truc chez moi. Parce que c'est bien beau de me mettre tout sur le dos. Hein. C'est bien beau, hein. T'as les imbéciles, ils savent faire que ça. Hein, tu sais, les gens débiles, ils savent faire que ça de toute façon. Donc, pour l'instant, on ne m'a rien dit. Donc, comme elle ne m'a rien dit, bon, je me suis dit, bon, laisse tomber. C'est pas grave. Tout le monde ne connaît pas l'encens. Donc, non, ben non, tout le monde ne connaît pas. Voilà, donc j'ai tout dit. Donc, vous allez sur le site Aromandiz et vous pouvez commander. Ben c'est vegan en plus, donc il n'y a pas de produits d'animaux, c'est pas testé sur les animaux. Et ben, c'est très, très bien. Voilà, je vous dis à bientôt.